Kropta avait un père, apparemment. Il s'appelle Oryx et il a fait tout ce chemin pour vous tuer. On ne le laissera pas faire. Oryx contrôle les corrompus depuis un cuirassé à côté de Saturne. Mais on ne peut pas s'en approcher sans un moteur furtif. Heureusement, avant d'être recruté par l'avant-garde, j'en ai caché un dans un vieux vaisseau colonisateur. Comment pouvez-vous être sûr qu'il est toujours là-bas? On a plutôt intérêt à ce qu'il y soit. Impossible de survivre au cuirassé sans moteur furtif. Cade, on a un gros problème ici. Laissez-moi deviner. Ils ont quatre bras, ils portent une cape et ils sentent pas bon du tout. Je ne parle pas de déchus, mais de corrompus. Je pensais qu'on aurait plus de temps que ça avant qu'ils n'arrivent. Ça se présente. Il y a des corrompus partout. Ils attaquent les déchus. Si vous ne trouvez pas ce moteur furtif, la Terre va commencer à ressembler à Phobos. Vous vous souvenez que notre plus gros problème, c'était Cepix Ier. Ok. Vous devriez bientôt atteindre une porte blindée. Il y a une technique bien particulière pour l'ouvrir. Alors dites-moi quand vous y êtes. La porte est déjà ouverte, Kay. Nous sommes à l'intérieur. Et les grenades fluctuantes n'ont pas explosé ? Il faut vraiment que je sorte de cette tour, un de ces quatre. Le monte-charge fonctionne toujours? On monte. Vous avez testé le monte-charge récemment? Ne vous inquiétez pas, il fonctionne. Spectre, préparez-vous à la réanimer. On ne sait jamais.
De cette hauteur, j'arrive à détecter l'énergie de corrompu un peu partout dans le cosmodrome. J'étais là en train de vous chercher lorsque la première équipe de déchus est arrivée. Au début, il n'y avait qu'un seul skiff. En quelques mois, ils se sont emparés du cosmodrome. Il n'a fallu que quelques heures en corrompu. Où est-ce qu'on peut trouver votre moteur furtif? Il devrait y avoir un pont menant de la tour au vaisseau. Il m'a fallu des mois pour qu'il fonctionne. Il est un peu instable alors. Regardez où vous mettez les pieds. Cade, le pont a été déplacé et les commandes ont été détruites. Oui, ce sont sûrement les déchus qui voulaient éviter que les corrompus ne les atteignent. Cherchez un moyen de rabibocher l'alimentation. Il semble toujours y avoir du courant dans les tuyaux au-dessus. Gardienne, si vous en trouvez la source, je pourrai réparer le circuit. Une fois que le pont fonctionnera, ma cachette est dans la sphère, au sommet du vaisseau colonisateur. Nous attendons toujours les détails de votre plan, Cade. Je reviens dans une seconde, gardienne. Ok, me revoilà. Hé, le pont bouge déjà. Atteignez le sommet du vaisseau. C'est là-bas que j'ai laissé mes affaires. Et faites attention à vous sur le pont. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes censés aller? Ouais, en haut. Quoi que vous fassiez, ne regardez pas en bas. Thank you.
c'est fini ce que Procta a commencé. Ma volonté est invincible. J'ai l'impression qu'Oryx nous en veut toujours, vous savez, pour avoir tué Crocta. Ça sera encore plus dur sur les cuirassés. Vous avez trouvé le moteur furtif? Et vous êtes sûr qu'il est toujours là? C'est comme tout, il faut savoir où regarder. Spectre, c'est la fréquence 5982. Ah, le voilà. Les meilleures des cachettes sont souvent à la vue de tous. Téléportez-le jusqu'à moi. Il faut que je le configure. Ah, et rendez-moi un service. Si vous trouvez d'autres affaires à moi, laissez-les-moi. Vous trouverez bien assez de butin sur le cuirassé. On a signalé un groupe de gardiens dont le signal a été perdu près du relais cosmique. Ils étaient en mission pour l'Astre Mort et avaient trouvé les codes d'un relais caché, capable de nous connecter aux autres colonies du système. Si nous trouvons leur spectre, nous pourrons peut-être l'ouvrir. Le dernier signal émis par les spectres a été capté près du relais cosmique. Allons-y et tentons de les retrouver. Nous allons passer par le terrain de nidification de la ruche. Selon l'avant-garde, elle se répand jusqu'à la surface, ce qui tient les déchets occupés. Thank you.
détecte encore les spectres. Ils ne sont pas très loin d'ici, entre les bâtiments. Les spectres sont toujours là. Les déchus les ont. Il est mort. Cherchez encore. Rien. Trouvez-en un autre. Celui-ci a encore les codes. Trouvons le relais. La station relais n'est plus très loin. La voilà. Voilà le système de commande. Faites-moi entrer. Je dois vérifier si les codes fonctionnent. Alors, j'examine les cryptosystèmes. Intégrité du réseau de sécurité vérifiée. Ça marche. Dehors, le relais. Il s'ouvre. Incroyable. Ça s'active. Les vaisseaux sarcophages, ne traînons pas.
Rasputin en a le contrôle. Le dernier esprit tutélaire. Il me refuse l'accès. Mais il est relié à des structures défensives partout dans le système. Nous trouverons peut-être quelque chose. Quelque chose qui puisse nous aider à survivre aux ténèbres. La ruche est plus agitée que d'habitude dans la contrée infestée. Nous ne pouvons pas combattre sur un front de plus. Nous avons assez à faire avec les symbiotes. Rendez-vous là-bas. Si les symbiotes harcèlent la ruche, nous devons savoir comment et pourquoi. Et vous devez y mettre un terme. J'attaque les symbiotes près du pétrolier échoué. Allez-y, et découvrez pourquoi ils s'entretuent. Il ne s'agit peut-être que d'une guerre de territoire, mais... quelque chose me dit que c'est plus compliqué que ça. Affirmatif. La ruche s'est restée sur la défensive. Mais ce que je détecte ressemble plutôt à une attaque en règle. Le ton des communications est très agressif, voire rageur. C'est bien plus qu'une simple démonstration de force. La ruche cherche quelque chose. Je m'attendais à un simple affrontement, pas à ça. Ils sont en guerre. Éliminez-en autant que vous voulez. Mais à mon avis, vous feriez mieux de supprimer le symbiote qui est derrière tout ça. Regardez, un capitaine symbiotique, là-haut, près de la plateforme. Message codé, en provenance du grand prêtre symbiotique. Il y a une référence à la ruche. Soit le grand prêtre symbiotique cherche à cacher quelque chose aux yeux de la ruche, soit il leur a pris quelque chose. Fouillez la plateforme. Voyez ce que vous pouvez y trouver. Je ne sais pas ce que les symbiotes ont enfermé ici, mais la ruche est prête à tout pour mettre la main dessus. Ouvrons quelques conteneurs pour voir ce que le grand prêtre y cache. Quelque chose ne tourne pas rond ici.
mauvais signe. Symbiotique est en train de rassembler les esclaves. Je comprends mieux pourquoi la ruche leur a déclaré la guerre. Y a-t-il une chance que ce soit lié aux expérimentations des symbiotes avec l'Aria ? Aucune chance. J'ai détecté de nombreuses traces d'Aria autour de l'endroit où ils avaient enfermé la ruche, ainsi qu'une étrange signature thermique. Je ne crois pas que les symbiotes se contentent de déplacer des esclaves. Dans une maison déchue, un symbiote est une sorte de savant fou. Comme un arcaniste. Évidemment. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le problème, c'est qu'ils sont les têtes pensantes des déchus. Nous avons vu de quoi ils étaient capables avec une connaissance limitée de l'Aria. Ils ont manipulé de force leur propre évolution. Que pourrait-il bien se passer s'il faisait la même chose avec la ruche ? Il pourrait les contrôler, voire pire. Je détecte des traces d'Aria partout dans la zone. Je les compare avec la signature thermique que nous avons trouvée. Voilà. Vous êtes sans aucun doute au bon endroit. De plus près ce qu'il y a dans cette grotte.
C'est le pire des scénarios. Les symbiotes ne sont pas en guerre avec la ruche pour leur territoire. Ils s'en servent comme cobayes. Pour en être arrivé là, soit le grand prêtre symbiotique est devenu fou, soit il reçoit des ordres de quelqu'un qui l'est. Un archonte, par exemple ? Ou un premier. Une mauvaise nouvelle dans les deux cas. Mais pour le moment, le problème est simple. Il faut trouver ce grand prêtre pour mettre fin à ces atrocités. Thank you.
rétablissons les échanges avec le récit. Passez une très bonne journée, gardienne. J'espère que votre journée sera sans perturbation, gardienne. Je l'ai déjà vu ça. Tout le plaisir est pour moi. Oui. Revenez vite, j'ai peur de m'oublier. Perturbation résolue. J'ai envoyé des gardiens combattre les corrompus qui restent. Vous pourriez les aider. Vous êtes notre plus grand espoir, gardienne. Vous connaissez vos ordres. Les éclaireurs ont des nouvelles de bon. Qu'est-ce que vous en dites? Et surtout, gardez l'œil bien ouvert. Mais il y a quelque chose d'autre. Quelque chose qui les a réunis. J'ai ce que vous cherchez. On se voit plus tard. Vous avez l'air en forme. Avez-vous quelque chose pour les arcanistes? Hein? Faites bien attention. Déposez la cinquième. Le mur nord-ouest est faible. Oui. Mettons-nous au travail. Bonne chance à vous. Terreur de la ruche, vous cherchez Shax? Eh bien, vous l'avez trouvé. Il se passe des trucs pas nets sur la Lune. Composition d'équipe reçue. Qu'en pensez-vous? Il vous faut quelque chose? À plus tard. J'adorerais revoir Zavala à l'épreuve. Il pourrait filer des conseils aux novices. Nous devons nous sacrifier pour empêcher ces événements. Kate demande une audience. Il semble mécontent. Ces murs ne tiendront jamais le coup. Vous nous apportez quelque chose? Ou voulez-vous juste voir ce que nous avons? Une fois que vous aurez acheté ça, vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer. Thank you.
De nombreux combats les attendent. Je suis toujours là. Votre grand retour victorieux. Oui. Je veux quelque chose à décrire. Je crois que les cellules de ce corps ont déjà commencé à mourir. Ces objets appartiennent au neuf et non à moi. Poussez à l'utiliser. Au revoir. Remarque correcte. Oui, les gardiens sont à la hauteur de la tâche. Le délai de communication avec la tour est actuellement de 27 minutes. Nous sommes bien plus silencieux, grâce à vous. Je pense pouvoir répondre à vos questions. Drôle de choix. Avons-nous terminé ? Zone A perdue. L'ennemi a capturé la zone A. Ils ont récupéré toutes les zones. Vous avez perdu l'avantage. Zone C neutralisée. Vous avez neutralisé la zone A. Vous avez capturé la zone A. L'ennemi a capturé la zone C. Zone B neutralisée.
Zone B, sécurisée. Zone A, perdue. L'ennemi a capturé la zone A. Zone C neutralisée. Zone B perdue. Zone C sécurisée. L'ennemi a pris la zone B. Nouvelle pique disponible. Munitions lourdes en approche. Munitions lourdes disponibles. Zone B neutralisée. Zone B sécurisée. Molosse en approche. Molosse disponible. Double frag. C'est perdu. Il reste 5 minutes. Zone C sécurisée. Molosse en approche. Zone C perdue. Molosse disponible.